Quelque chose va se passer. Something is going to happen soon. Tu vas te lever plus tard. You're going to stand later. Et tu vas combattre avec Jésus-Christ. And you're going to battle with Jesus. Dieu, quand il veut révéler quelque chose, God, when he wants to reveal something, il le montre. He shows. Pour que cela soit mis en application. For it to be put in application. Et la semaine dernière, and last week, j'attendais deux réponses. I was waiting for two answers. Et à 9h, and at 9 a.m., un frère m'appelle. A brother calls me. Il dit, he says, Pasteur, ce que nous sommes en train de suivre, which we are waiting for, il paraît que ce n'est plus la peine. It's no longer there. J'ai dit, ok, c'est pas grave. I said, okay, it's no problem. Que le nom de Dieu soit glorifié. May the name of the Lord be glorified. À 11h, 11, un autre m'appelle. Another brother calls. Il dit, he says, le groupe que tu avais eu, the phone call that you just got, et qui devait aller fixer, the group that you had, un autre truc, that we're going to fix something, disent que c'est annulé, ils n'ont plus parti. Said it's canceled, they can no longer go. La chaise sur laquelle j'étais, the chair that I was on, je dis, mais c'est pas possible. I said, that's not possible. Et je me suis levé, and I stood. J'allais dans la chambre, I was going to the room, pour pouvoir me coucher parce que vraiment j'avais été sonné. Because I was in such heated. Et au moment où je voulais me coucher, and at the time where I went to lay down, l'Esprit de Dieu me dit, the Spirit of God tells me, alors qu'à la veille, puisque ça s'est passé lundi, it happened Monday, j'avais prêché ici, I had preached, pour dire que c'est ton intérieur qui doit faire ton extérieur, your interior has to make your sur la foi, on faith. Au moment où j'allais me coucher, and at the time I was going to lay down, l'Esprit me dit, mais c'est toi qui vas te coucher. The Spirit says, you are going to lay down. Celui qui a les armes de Dieu, one who has armies of God, ne meurt pas dans le combat. Does not die in battle. Ceux qui ont les armes, those who have weapons, l'armée ici, the army, peuvent mourir dans un combat. Can die in battle. Quelles que soient les armes qu'ils ont, whatever weapons they have. Mais les armes que toi tu as dans la main, the weapons that you have in your hand, les armes de l'Éternel, you have the weapons of the celui Lord. Qui a les armes de l'Éternel ne meurt pas. The one who has the weapons of the Lord does not die. Je me suis réveillé. I woke up. Je suis retourné au salon. I went back to the living room. J'ai commencé à prier. And I started to pray. Et le soir, quand ma femme est venue, and later on that night when my wife came back, elle était en train de prier. She was praying. Et l'Esprit me dit, tu vois, and the Spirit says, you see, voici comment vous priez souvent. Here's how you pray sometimes. Mais tous les combats ne sont pas les mêmes. But not all battles are the same. Il y a des prières par rapport aux sorciers. There are prayers based on witchcraft. Et puis il y a des prières. And there are prayers. Ou le démon en chef même qu'on appelle l'homme fort. The demon that you call the strong man. S'assoit sur des choses. Sits on things. De telle sorte que ce que tu vas avoir en bénédiction. In such ways that what you're gonna receive as blessing. Ne puisse pas réellement bénir les autres. Cannot really bless other people. Il dit, mais ce genre de combat, said those type of battles, c'est moi qui fais ce combat. I do those battles. Tu me mets devant, you put me ahead, et on combat, and we battle together. Et il me donne des révélations. And he's giving me revelations. Le lendemain, the next day, entre midi et 14, between 12 and 2, 20 minutes seulement, 20 minutes de combat. Of battle. Quand j'ai fini, when I finished, il prend le téléphone. So take the phone. Appelle la dame. Call the lady. Je prends le téléphone. I take the phone.
J'ai dit, madame. I said, ma'am. Excusez-moi. Excuse me. C'est le pasteur Edmond. It's the pastor Edmond. Vous avez dit hier que vous pouvez plus partir. You said yesterday that you cannot no longer go to Africa. Elle dit moi. She said me. Elle dit c'est ce que vous avez. I said yeah, that's what you said. Elle dit j'ai jamais dit ça. I said I never said that. Elle dit tu peux venir tout de suite dans mon bureau. Can you come right now in my office in Virginia? Quand nous sommes arrivés. When we arrived. À moins de 30 minutes. Less than 30 minutes. Des documents qui n'avaient jamais été signés. Documents that were never signed. Ont été signés. Were signed. Elle dit si vous m'appelez désormais même sur d'autres numéros. She said if you call me on other numbers. Peut-être que je peux pas avoir ça. Maybe I can't have it. Mais je vous mets dans mon groupe de WhatsApp. But I'm putting you in my group of WhatsApp. Quand vous lancez quelque chose, j'ai ça directement. As so you when you send me a message, I have it. Mais les jours qui ont suivi. But the days following. C'était extraordinaire. It was extraordinary. J'ai dit, mais Seigneur, donc ce vendredi, I said, well, Lord, this Friday, je vais prier alors avec tes enfants. I will pray with your children. Parce que je veux que les chaînes tombent. Because I want je veux que là où il y avait les montrées, les montagnes, j'étais wherever there were mountains, je veux que là où les chaînes étaient enchaînées, les chaînes étaient pas. People were chained, chains be broken. Les sujets de prière. Show me subjects of prayer. Le vendredi. Friday. Au moment où on devait se retrouver. While we were supposed to meet. Le vent. The wind. La pluie. The rain. J'appelle l'ancien. I call the elder. J'ai dit annule la veille. I said cancel Friday's prayer. Je retourne à la maison pour faire marche arrière. I go back home to make a U-turn. 10 minutes après le ciel est clair, il y a plus. 10 minutes later the sky was clear. J'ai dit mais ça c'est quoi ça? I said what is this? Mais ce qu'on n'a pas fait vendredi. But what we did not do Friday. On va faire ça dimanche. We would do it Sunday today. Peut-être que vendredi n'allait pas avoir beaucoup d'hommes. Because Friday there was not going to be a lot of people. Mais ce dimanche. But today. J'ai dit Seigneur. I said Lord. On va combattre. We will battle. Avec ces sujets que tu as. With these subjects that you've given. Hallelujah. Hallelujah. La Bible déclare. The Bible declares. Que Lazare, l'ami de Dieu. That Lazarus, Jesus' friend. La Bible l'identifie comme l'ami de Dieu. The Bible identifies him as the Jesus' friend. La Bible dit qu'il était mort. He said he was dead. Et Jésus attend 4 jours. And Jesus waited 4 days. Et il vient. He comes. La sœur de Lazare va venir. Lazarus' sister. Et au moment où il était en train de dire, ôtez la pierre. And while he was saying, stone. Elle dit, Seigneur. Skip the stone. She said, Lord. Il sent déjà. He smells already. Son odeur. The smell. Il est mort. He's dead. C'est maintenant que tu viens. It's now you've come. Mais la Bible dit. But the Bible says. Que Jésus. That Jesus. Il regarde Dieu. He looks at God. Il y a des combats. There are battles. Où ce n'est pas des simples prières. Where there are not simple prayers. Il y a des combats où tu dois être en connexion avec Dieu. Battles where you have to la Bible dit Jésus même qui est Dieu. That Jesus who is God. Dieu. Looks at God. Il dit Seigneur. And he says Lord. Il dit Père. Father. Je sais que tu m'as toujours exaucé. I know that you will always exhort me. But this battle is different. Ce n'est pas pour moi. It is not for mais me. Pour que but it's for everyone. Puisse voir la puissance to de see Dieu. The power of God. Accorde-moi. Accord me. Accorde-toi avec moi. Be in contact. He said, open the stone. Il savait que ça, là, he knew that that c'était différent. It was different. Il s'est accordé avec le Père. He got in et il dit, open with the Father. And he said, let's roll the stone. Et la Bible dit, and the Bible says, il poussa un cri. He put out a cry. Il dit, Lazare. Lazarus. Il n'a plus dit. He did not say. Au nom de Dieu. In name of. Il dit Lazare. He said Lazarus. Sort du tombeau. Get out of the tomb. Et délie-le. Il était en train de dire. He was saying. Non seulement j'ordonne à Lazare de sortir. Not only have I ordained that Lazarus to come out. Tous ici que c'était mort. Whatever you. Whoever thought it was dead, that it was finished. Terminé, that it was finished. Mais vous allez le délier, you will. Parce que Lazare va sortir.
You would be wrong because Lazarus will come out. And this morning, God is telling someone, là où tu pensais que c'est wherever you thought it was finished, que les choses étaient mortes, where you thought things là où were les dead, gens, en fonction de ce qu'ils voient dans based toi, on pe- what people see in you, is what they think is good, will tell you that everything is finished. This morning, God is telling you that He is with you. And when He is with you, for what you're saying, what you were screaming out, and the days following were automatically, those things were being resurrected. Le lendemain, the one that said she was no longer going, said, I did not say that. I was with a brother, he was shocked. You told me it was this date that she was supposed to go. Moi, j'avais donné la date là. She said, I get that date. I said, well, forget the dates. Hallelujah. Hallelujah. La Bible dit, the Bible says, Lazare, le pourri. Lazarus. Lazare, celui qui sentait. The one that was celui qui est fini. The one that was finished. Celui que les gens étaient en train de pleurer. The one that people were crying. La Bible dit que Lazare est sorti. The Bible says that Lazarus came out. Lazare. And they were mais au nom de Jésus-Christ ce matin. But in Jesus' name. Ce qui était mort. What was dead. Sort ce matin. Will come out. Dès que tu sors de cette église. That when you leave the church. Ce qui était mort. What was dead. Sortira ce matin. Will come out. Parce que ce que tu vas dire. Because what you will say. Ce ne sera pas toi seul. It will not be you. Mais c'est en accord avec. But it will be in accordance with Jesus, avec with God. La puissance de Dieu. With the power of God. Those things will come out. Et tu vas témoigner. And you will testify. La Bible dit. The Bible says. Il poussa un cri. He put out a cry. Le deuxième cri. The second cry. Vous savez. You know. La parole. The word. Quand tu parles doucement. When you speak slowly. On dit, or softly. Il parle doucement. They say he speaks softly. Mais c'est la parole. But it's the word. Quand tu es en train d'harmoniser pour que ça soit doux dans l'oreille. When you are harmonizing for it to be sound good. Tu chantes. They say you sing. Mais c'est la parole. But it's the word. Parce que quand quelqu'un dit oui. When someone says there are certain songs where you're humming. Ils chantent. They're still singing, but you hear nothing. Mais quand la diaconesse chantait tout à l'heure. But when the deaconess was singing. She was saying, say something in my life. Everyone was hearing what she was saying. So she was speaking. And she was harmonizing. But she's speaking. Amen. Amen. And what she was saying. Prayers. Because someone can sing, someone can hear. But the Bible says that Paul and Silas understood the secret. The Bible says singing is praying twice, two times. So it was screams that you had to put out. And that's why you can put out cries while you're singing. And that's why when you're singing, they can say, sing softly, but you're singing. But Paul and Silas have understood that in this area, it was cries that could come out what man could not see. The Bible says they were singing, but they were screaming that all the prisoners can hear. The Bible says there was an earthquake. There was an earthquake. Everything that was the chains were starting to fall. The Bible says doors were opening this morning. In accordance with the Lord, you will scream. And doors will open themselves. There will be an earthquake in such ways that the demon, the chief of your family that was in the midst of your situation will receive the power to release your blessings. A third cry. The Bible says that Jesus was at the cross. He was mistreated.
Mais ce que l'ennemi ne savait pas. But what the enemy didn't know. Il y a des cris. There's cries. Qui fend la terre. That divide the earth. La Bible dit quand il a dit Seigneur. The Bible says when he said Lord. Dieu mon père. God my father. Pourquoi tu m'abandonnes? Why have you abandoned me? Il voulait être en accord avec He wanted to be in alliance with the Father. When the Bible says, when he said, everything is accomplished, I give you my soul. There was an earthquake. After his cry, there was an earthquake. The Bible says, mountains were dividing. Everything that was dead, and tombs. The Bible says they were awakened. The world saw them come out of their tomb. No matter the time that they spent in that cemetery, no matter the how they died, but that day they came out. This morning, no matter how the enemy put what you wanted, no matter how the situation would die in your hands, this morning it will come out. Hallelujah. Amen. It will come out of the tomb. You're going to stand. And you're going to reclaim. You want to ask the Lord to be in alliance with you this morning. You know what you're asking. You know what you want. You know what you've battled. But that could not position itself. This morning, you're according with the Lord. You're in alliance with the Lord. And you will scream for it to be an earthquake. You may not see it physically, but it is spiritual. You will take back what was solid in Jesus' name. Tu vas prier ce matin. You will pray this morning. Et demander au Seigneur. Ask the Lord. De s'accorder avec toi. To be in alliance with you. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Prions. Pray. Éternel Seigneur ce matin. Lord. Nous sommes devant ton trône, roi des rois. We are in front of your throne, King of Kings. Nous sommes devant ton trône de grâce, Seigneur. We are in front of your throne. Mais ce combat, Seigneur. But this battle, nous savons, oh roi des rois, we know, oh, King of que c'est toi seul, papa, you, oh, qui peux déraciner l'homme fort the strong man de ma famille. Of my family. C'est toi seul, it's you, qui peux déraciner, c'est toi win. Qui peux limiter l'homme fort de ma famille. The strong man. Accorde-toi avec moi ce matin. Be in alliance with me. Accorde-toi avec ce ministère ce matin. Be in alliance with this ministry. Accorde-toi avec ta fille ce matin. Be in alliance with. Accorde-toi avec ton fils ce matin. Be in alliance with your daughter. Que tu ouvres la bouche. For them to open their mouth. Seigneur, que le miracle se passe. Ils veulent voir un miracle. They want to see a miracle. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Seigneur, accorde-toi. Lord. Be in alliance. Accorde-toi avec nous ce be matin. In alliance with everything. Accorde-toi avec ton église ce be matin. In alliance with your church. Au nom puissant de Jésus Christ. In Jesus' name of Nazareth. Oh Seigneur, accorde-toi. Lord, be in alliance. Accorde-toi, c'est ton nom be qui va in alliance ce with matin. Your name that ce combat, be Seigneur, this tu battle, es au devant de ce combat ce this matin. Battle, you are Et la Bible dit, the Bible says, dans Jean 11, 39, in John 11, 39, il dit, ôtez la pierre. It says, move the stone. Ôtez la pierre. Move the stone. Mais ce matin, tu vas prier. This morning, you are going to pray. Oui, Seigneur. You're going to say, Lord, ôtez la pierre de move moi. The stone. Ôtez la pierre de Jesus, move the stone in front of my child. Move the stone in front of my blessings. Seigneur, ôte la
pierre dans tout ce qu'il y a. Ôte la pierre. Ma sécurité, Seigneur mon Dieu. Ôte la pierre, Seigneur mon Dieu, ma sécurité. Seigneur mon Dieu, je te sers pour la gloire de ton nom. Ôte la pierre. Ôte la pierre. Dès que tu l'as fait, fais pour lui. Ôte la pierre, Seigneur. Devant l'évolution de votre famille. Ôte la pierre. Pour que tu reçoives la guérison. La guérison spirituelle. La guérison physique. Dans mes projets, papa. Au devant de mes projets. Quelque chose en train de se passer ce matin. Quelque chose en train de se passer dans le monde spirituel. Il y a quelque chose. Que le Seigneur, et qui rend toute la gloire. Merci, Père. Porte la pierre. Dès que tu l'as fait pour la nation de Dieu. Ouvre toutes les portes. Ouvre les portes de bénédiction. Et ils disent, oh Père. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais que le monde entier voie ta main dans ma vie. Que le monde entier voie ta main dans ce ministère. Il dit, sors du tombeau. Sors du tombeau. Leave the tomb. Appelle ton mariage ce matin. Call your marriage. Appelle tes finances. Call your finances. Appelle ton enfant. Call your child. Appelle tes finances. Call your finances. Appelle ton élévation. Call your elevation. Appelle ta bénédiction. Call your blessing. Appelle ta compagnie. Call your company. Ôte la pierre dès que tu l'as fait pour l'avoir. Enfin que ma vie spirituelle soit perdue. Seigneur, mes enfants sortent du tombeau ce matin. Mes enfants du tombeau satanique. Mes enfants sortent du tombeau satanique. Mes mariages sortent du tombeau satanique. Mes fils sortent du tombeau satanique. Oh, il y a des projets de caca. Ils sortent de la prison, Seigneur. Les chaînes tombent ce matin. Les chaînes tombent ce matin. Pour que tout ce qui est moi en moi soit ressuscité dans le nom de Jésus-Christ. En fait que ma vie spirituelle. Il dit sort, mais délie-le. Délie ton travail ce matin. Délie ton travail ce matin. Tu dis Seigneur, délie toi-même, délie ce matin. Seigneur, délie toi-même, délie ce matin. Délie ma bénédiction. Délie l'émotion numérique ce matin. Rita Benjeté. Délie ce matin. Délie ce matin. Délis ce matin, sors du tombeau et délis ce matin. 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 En accord avec toi, Seigneur mon Dieu, j'ai délié ma vie spirituelle. J'ai délié ma vie spirituelle. Que Dieu bénisse tes mains. Que Dieu bénisse tes projets. May God bless your project. Que Dieu bénisse tes projets. May God bless your project. Que Dieu se manifeste. May God manifest. Dans toutes tes affaires, dans tout ce que tu fais. Là où l'ennemi va te poser des pieds. Oh, malgré tes efforts. Malgré le combat que tu mènes. Les résultats que tu ne voyais pas. Jésus même se positionne devant toi. The results you were looking for. May you have testimony. May you have testimony. May they come out with the word. What you wanted. What you wanted. In Jesus' name. The words of jealousy. In your life. To retarder tes projets. Je détruis ces paroles dans l'atmosphère. Au nom de Jésus Christ. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, sors du tombeau et délie-le. Il est broqué sa carapace. Le Seigneur te fait sortir du tombeau ce matin. Il a vu tes larmes. Il a vu tes soucis. Il a vu tes pleurs. Et il te sort du tombeau ce matin. Il te sort. Non seulement il te sort, mais il te délie. Il délie tes entrailles ce matin. Il délie tes entrailles, il délie ta fécondité, il délie ton élévation, il délie ton mariage, il délie ta santé au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus perturbé. Alléluia. Dieu met devant toi, il trace une nouvelle voie. Dans le désert, il est capable de créer un nouveau chemin.
La Bible déclare dans Actes 16 verset 5. The Bible declares qu'il chantait. That he was singing. Il chantait, il criait. He was praying. Et la Bible dit, and the Bible says, il fit un grand tremblement de terre. Followed en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Of the prison to be broken. Un tremblement de terre. An earthquake. En sorte que les fondements for it, the foundation de la prison of this prison furent ébranlés. Be broken. Fut éboulé. Be broken. Fut fondu. Be fut détruit. Mais ce matin, this morning, la Bible dit, the Bible says, un prince, un roi, a prince and a king. Comment peut-on le reconnaître? Qu'est-ce qu'il peut how être? How can you recognize a king from a si les fondements sont renversés en bas de lui? If the foundations. Mais ce matin, this morning. Dis au Seigneur, tell the Lord, de repositionner tes fondements, de repositionner ta fondation. C'était l'ennemi avait renversé, qui te faisait tourner, qui te faisait palpiter, qui te faisait tourner partout, qui te mettait en ébranle. Ce soir, que Jésus veut repositionner tes fondements. Oh, qu'il fasse trembler la terre pour repositionner ta fondation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, Lord, this morning, opère un tremblement de terre. 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 Que la fondation se repositionne. Que le fondement 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 se repositionne. La parole que l'ennemi avait renversée se repositionne maintenant. 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 La fondation que l'ennemi avait renversée se repositionne dans ta vie. Oh, tu ne m'amuseras pas. Tu ne m'amuseras pas. Je suis dans le combat ce matin. Je suis dans ce combat ce matin. Il repositionne tout. Il repositionne tout. C'est que l'ennemi a pas volé. Il touche le démon ce matin. Il touche le démon chef ce matin. Il te libère ce matin. Il te détache ce matin. Il te détache ce matin. Il te libère ce matin. Il te détache ce matin. Il te libère ce matin. Jésus-Christ est en action lui-même. Jésus même Jesus est en action ce matin. Il te libère. Il te libère. Il te détache. Il te détache tes finances. Il te détache ton mariage. Il te détache tes bénédictions. Oh, calme le chéri. Il fait trembler les fondations de ton village maternel et maternel. Et il trouve le démon en chef. Il le calcine. Il arrache ta bénédiction. Il arrache ta joie. Il arrache ta joie. Il arrache ta joie. Il arrache tes entrailles. Il arrache ton enfantement. Il arrache ton mariage. Il arrache ton mariage. Jésus, mon enfant, tes ennemis sont dispersés ce matin. Ils sont dispersés. Ils ont été surpris ce matin. Bien que pour chacun. La Bible dit que quand les fondements se sont écroulés, when the foundations broke, la Bible dit instantanément, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Toutes les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et les liens de tous les prisonniers. Tombés. Ce matin, je déclare. And this je prie ce matin. And I pray. Les liens tombent ce matin. The chains fall. Les liens tombent ce matin. Chains are falling. Les chaînes tombent ce matin. Chains are broken. 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 Les portes s'ouvrent ce matin. Chains of doors are open. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. The doors are open. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. The doors are open. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Doors are open. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Doors are open. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. 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 Doors are opening. Les chaînes, Jésus-Christ lui-même, il est en activité ce matin. Tu vas voir quelque chose se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer.
Jésus-Christ même te nettoie ce matin. Il 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 coupe les chaînes ce matin. Tu es libéré ce matin. You are free. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré. La Bible dit que lorsque les chaînes sont tombées et que toutes les portes se sont ouvertes, la Bible dit que les surveillants, celui qui les surveillait, celui qui les voyait comme prisonniers, a commencé à se paniquer. Il a commencé à ralentir, à se repentir. Il a commencé à s'aligner. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Quelle que soit la catégorie de ceux qui te surveillaient, ce matin, il tombe au nom de Jésus. Quelle que soit la catégorie de ceux qui te surveillaient, ceux qui surveillaient tes projets, ceux qui surveillaient ton mariage, ceux qui surveillaient ton élévation, ils tombent ce matin. Tes ennemis se mettront à tes pieds. Tes ennemis se mettront à tes pieds. Tes ennemis se mettront à tes pieds. Je me dis que je mettrai tes pieds. Jésus te relève. 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 Il est protégé. La Bible dit. The Bible says. Dans Matthieu 27, 54. Matthew 27, 54. La Bible dit qu'il poussait un cri. The Bible said he put out a cry. Ce matin. This morning. C'est ton cri de victoire. It is your cry of victory. C'est ton cri de victoire. Your cry of victory. C'est ton cri de victoire. Your cry of victory. C'est le cri de victoire. Your cry of victory. La Bible dit. The Bible says. Jésus-Christ. Jesus Christ. Il dit tout est accompli. He said everything is accomplished. Tout est accompli. Everything is accomplished. Tout est accompli. Everything is accomplished.